À la suite du décès en détention de l'avocate turque Ebru Timtik, intervenue ce 27 août 2020, la présidente du Conseil national des barreaux a accepté de nous accorder un entretien dans lequel elle rend hommage à sa consœur et revient sur les nombreuses arrestations d'avocats intervenues en Turquie depuis le coup d'État de 2016, ainsi que sur la situation de l'avocate iranienne incarcérée Nasrin Sotoudeh. À cette occasion, Christiane Feralschul nous a présenté les différentes mesures prises et envisagées par le CNB pour soutenir les avocats persécutés en raison de l'exercice de leurs fonctions. Cet entretien intervient à la suite de l'annonce du décès, alors qu'elle était incarcérée, de l'avocate turque Ebru Timtik après 238 jours de grève de la faim. Pourriez-vous nous rappeler le contexte de son arrestation ? Sur la situation générale en Turquie, vous savez que depuis de nombreuses années, avec une intensité renouvelée après la tentative de coup d'État de 2016, plusieurs centaines d'avocats turcs sont toujours emprisonnés, poursuivis, harcelés dans l'exercice de leurs fonctions. Et les avocats turcs, nos confrères, sont jugés dans des conditions qui ne garantissent pas les droits de la défense et un procès équitable, alors que l'ensemble du système judiciaire a été mis sous contrôle du pouvoir turc. Pour ce qui concerne plus particulièrement Ebru Timtik est une jeune avocate, défenseur des droits de l'homme en Turquie. Elle faisait partie des 18 avocats de l'Association des avocats progressistes et du People's Law Office à être condamnée à des peines de prison extrêmement lourdes pour des infractions présumées liées au terrorisme. Elle a été condamnée donc à des peines lourdes, 13 ans, pour appartenance à une organisation terroriste, et son dossier était en cours d'examen devant la Cour suprême turque. Et son seul crime, en réalité, c'est d'avoir défendu des personnes poursuivies pour terrorisme et donc d'avoir exercé la profession d'avocat, puisque la défense en toutes circonstances est dans l'ADN de l'avocat. Dès le début de son procès, il y a eu plusieurs incidents qui nous ont beaucoup inquiétés quant à l'impartialité, l'indépendance de la procédure. Ces incidents ont pu être observés lors d'une mission d'enquête à laquelle a participé le Conseil national des barreaux. Je crois que c'était en octobre 2019, en tout cas c'était à l'automne 2019. Cette mission d'enquête réunissait 15 avocats de plusieurs pays européens qui se sont réunis à Istanbul pour clarifier les circonstances juridiques qui avaient conduit à la condamnation de ces avocats turcs. Donc, à la suite de sa condamnation, Ebru Timtik et vous avez un autre turc, Etak Unsal, qui ont entamé une grève de la faim pour réclamer la tenue d'un procès équitable alors que leur recours était examiné par la Cour suprême. Et voilà, nous suivons ce dossier depuis le début. Et nous avons des élus qui ont pu la rencontrer alors qu'elle était emprisonnée à la prison de Silivri. Quant à notre confrère Eta Kounsal, qu'il ne faut pas oublier, il fait partie de la même équipe de défense. Il est lui aussi en grève de la faim depuis plus de 200 jours. Et comme Ebru Timtik, qui malheureusement est décédé, lui est en danger de mort. Et nous restons pleinement mobilisés pour obtenir sa libération. Vous souhaitiez également évoquer le cas de l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh. Alors cette tragédie, elle fait nécessairement écho à la situation dramatique d'une autre consoeur médiatiquement très connue, qui est l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh. C'est également une défenseure des droits de l'homme. Elle a consacré une partie de sa carrière à la défense de femmes et d'enfants victimes de violences familiales. Elle s'est également chargée de la défense de plusieurs activistes et journalistes iraniens. Et en 2017-2018, elle a défendu plusieurs jeunes filles iraniennes qui avaient enlevé en public leur voile. Elle a été arrêtée à son domicile pour purger une peine de 5 ans de prison. Et cette arrestation faisait suite à l'adoption d'une liste limitant le choix des accusés de crimes politiques à 20 avocats approuvés par le gouvernement.
Nasrin Sotoudeh s'est exprimée à plusieurs reprises pour condamner cette liste en considérant que le libre choix de l'avocat était absolument indispensable et que ça revenait à refuser le droit à la défense aux prisonniers politiques iraniens puisqu'ils étaient contraints de passer par cette liste de 20 avocats. En mars 2019, son mari, Reza Kandan, a annoncé dans un message publié sur Facebook qu'elle était condamnée à 33 ans d'emprisonnement, à 148 coups de fouet, prononcés sur le fondement de plusieurs chefs d'accusation, je ne les ai plus tous en tête, mais vous aviez la propagande contre le système politique, l'atteinte à l'ordre public et au calme, l'encouragement à la prostitution. Donc il y avait 7 chefs d'accusation qui ont conduit à cette condamnation hors norme. Cette condamnation a été prononcée quelques jours après la Journée internationale des droits des femmes. Et ici encore, comme pour notre consoeur turque, cette condamnation, elle est manifestement liée au seul exercice de sa profession, de sa mission d'avocate auprès de ses clientes. Alors, si la mobilisation internationale a permis d'empêcher l'exécution de la peine de châtiment corporel, hein, les coups de bâton, elle est toujours incarcérée dans des conditions sanitaires qui sont déplorables et avec plusieurs co-détenus, elle a entamé une grève de la faim pour dénoncer les conditions de détention catastrophiques qui ont encore été aggravées par le contexte sanitaire que nous connaissons. Évidemment, depuis mars 2020, vous avez la pandémie de Covid-19 qui s'est répandue en Iran comme partout ailleurs, qui a déjà tué plusieurs milliers de personnes. Le virus se propage également nécessairement au sein des prisons. Et dans la prison iranienne d'Edin, où Nasrin Sotoudeh est actuellement détenue, vous avez au moins 5 détenus dont on a appris qu'ils avaient contracté le virus. Et le centre pénitentiaire est à court de fournitures médicales, sanitaires, hygiéniques. Et l'accès des prisonniers à la nourriture et aux médicaments est également réduit. Donc, dans le cadre des efforts du gouvernement iranien pour prévenir la propagation du virus, vous avez beaucoup de prisonniers qui ont été temporairement libérés, puisque vous avez 85 000 prisonniers qui auraient bénéficié de cette libération, mais la moitié des prisonniers politiques, dont Nasrin Sotoudeh, n'a pas obtenu de remise en liberté. Et en août 2020, nous avons appris qu'elle a débuté une nouvelle grève de la faim pour réclamer la libération des prisonniers politiques durant la crise sanitaire qui traverse le pays. Et sa fille, en août également, a été arrêtée, arbitrairement détenue pendant plusieurs heures avant de pouvoir être libérée. Alors, on voit à travers ces exemples que être avocat, défenseur des droits de l'homme, n'est pas simple à travers le monde et que c'est un véritable engagement qui mérite un soutien. Il est inacceptable, où que ce soit dans le monde, qu'on meure parce qu'on est avocat ou avocate. C'est d'autant plus inacceptable dans le cas d'Ebru Timtik que notre consoeur turque est morte en prison, emprisonné par un État, et lorsqu'un État s'en prend aux avocats, il n'y a plus d'État de droit. Donc, la mort d'Ebru Timtik ne doit évidemment pas faire oublier tous les autres avocats turcs emprisonnés, qui sont eux aussi en danger de mort, ni tous les avocats emprisonnés ou menacés dans le monde ailleurs qu'en Turquie, dont le premier symbole, je viens d'en parler, c'est Nasrin Sotoudeh, avocate emprisonnée en Iran. Quelles sont les actions mises en place par le Conseil national des barreaux pour soutenir ses confrères à l'étranger ? Nous avons notamment adopté une motion au cours d'une assemblée générale en mars 2019. Nous avons lancé une pétition en ligne qui, au moment où je vous parle, ne doit pas être très loin des 500 000 signatures. Nous avons aussi écrit un courrier au président de la République pour lui demander de mener toute action au soutien de Nasrin Sotoudeh. Nous avons accroché son portrait sur la façade du Conseil national pour sensibiliser le public.
Nous avons proposé aussi, avec la délégation française du Conseil des barreaux européens et les barreaux membres de l'OIAD, qui est l'Observatoire international des avocats en danger, que Nasrin Sotoudeh reçoive le prix des droits de l'homme du CCBE 2019, qui a fait preuve d'un engagement et d'un sacrifice hors du commun pour préserver les valeurs fondamentales de la profession. Donc, nous avons alerté les autorités françaises et européennes compétentes. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu au téléphone un député français mobilisé qui m'a dit que rallier plusieurs députés. Nous avons saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU, mais sans oublier évidemment les autres confrères et notamment les avocats turcs, puisqu'il y a eu plusieurs déplacements en Turquie. Nous avons été observateurs pendant les procès. Donc on essaye, si vous voulez, symboliquement déjà, de rappeler qu'un avocat emprisonné, eh bien, c'est inacceptable. Ça ne peut pas perdurer et que la démocratie est en danger dès lors qu'un avocat ne peut pas librement défendre une personne indépendamment de ce que cette personne a fait. On le sait bien, l'avocat ne se substitue pas au client, mais il est là pour expliquer un contexte. Et toute personne a droit, quelle que soit la faute et les raisons pour lesquelles la personne est mise en cause ou suspectée, il faut que l'avocat puisse librement exercer sa mission. L'un des points communs dans ces affaires semble donc être l'assimilation des avocats aux idées de leurs clients. Il y a plusieurs idées. Il y a le libre choix de l'avocat. Vous voyez que dans le cas de Nasrin Sotoudeh, limiter la possibilité pour les prisonniers politiques à choisir, les contraindre à choisir un avocat sur une liste de 20 avocats choisis par le gouvernement, c'est pas possible. Pas possible. Donc vous avez déjà le libre choix de l'avocat. Vous avez ensuite la liberté de la défense et le droit à la défense. Être défenseur des droits dans un état de droit, c'est pouvoir porter une parole libre pour l'avocat. Et ce qu'on constate, c'est que ce soit en Iran, que ce soit en Turquie, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, malheureusement, il y a beaucoup de tentatives d'intimidation pour faire taire les avocats. Souhaitez-vous réagir au projet de réforme du gouvernement turc visant à fonder des barreaux concurrents? Aujourd'hui, le barreau n'est plus libre. L'ensemble du système judiciaire, donc y inclut le barreau, est mis sous contrôle du pouvoir turc. Et on sait bien que l'indépendance de l'avocat est quelque chose d'absolument essentiel pour sa mission. En fait, ça participe de l'action qui consiste à faire taire les avocats. Des actions du Conseil national des barreaux sont-elles envisagées à la suite du décès d'Ebru Timtik? Alors, c'est mis à l'ordre du jour de notre bureau. On a fait plusieurs tentatives. Moi, j'avais été voir personnellement l'ambassadeur de Turquie. On a déjà manifesté devant l'ambassade. On a fait plusieurs actions. On va voir s'il y a lieu de faire une action plus large. Notamment, il y a une volonté d'alerter le plus largement possible. Donc, on est en train d'examiner comment manifester vraiment notre soutien aux avocats turcs et tout particulièrement notre émotion à la suite du décès de l'avocat turc Ebru Timtik. Plusieurs organisations internationales, dont l'ONU, dénoncent depuis un certain nombre d'années les méthodes du gouvernement turc. La médiatisation est-elle un levier d'action efficace face aux actions de l'État turc? Il faut que tous les avocats s'allient et manifestent leur désapprobation et leur désaccord avec cette stratégie de l'État, cette volonté de faire disparaître les avocats. Donc aujourd'hui, encore une fois, il est inacceptable, où que ce soit dans le monde, en Turquie, comme en Iran, comme ailleurs, qu'on puisse mourir parce qu'on est avocat ou avocate.
L'Ex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.